Hop. Ça, hop. Puis ça, hop. Ça, c'est chaud. Non, c'est froid. Pourquoi c'est froid? Kawa, il est 8h, 20h. Bonsoir à tous et à toutes en mental review pour ce samedi 15 2023. J'espère que vous êtes tous bien, vous avez passé un bon vendredi, un bon samedi, même s'il n'est pas encore samedi, il n'est pas encore fini. Le temps chez nous, bah, il a plu un petit peu ce matin, puis là il fait soleil. Bon, il fait pas un ciel bleu, mais c'est mitigé, ciel blanc et bleu. Mais sinon, ça va, il fait pas. C'est acceptable dehors, il fait pas trop froid. Bien sûr, pas sortir en short ou en t-shirt, c'est sûr. Mais sinon, voilà, c'est raisonnable. Bon, moi, je sais, j'ai pas froid. J'avais pas froid. Hop, petit kawa comme d'habitude. Hein. Je vais faire mon sixième ou septième café. On va aller chercher une petite boisson comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. J'entame le bébé. Donc j'étais à Franprix. C'est que des boissons, puis un miam pour ce soir, pour Cécile. Moi j'ai ma gamelle à finir aujourd'hui. Ma gamelle d'hier que j'ai faite, que j'ai préparée, avec le chili. Du ravioli pur bœuf sans colorant et conservation de la marque Panzani. Pour ce soir, 400 grammes pour Cécile. Hein. Voilà. Avec, je lui ai pris du gruyère parce qu'elle aime bien manger des raviolis avec du gruyère. Elle adore ça. Je crois que j'ai un peu trop. Non. Voilà, c'est mieux. Du gruyère râpé, 100 grammes, le paquet, un petit paquet pour aller là. Là, j'ai réussi à trouver 1 litre. La dernière fois, il n'y en avait pas, mais là, il y en avait. Maille épars, 1 litre. Voilà.
Coca-Cola pour moi. Bon, c'est pas la même que celle qu'il y a à Aldi. C'est ce que je prenais tout au début, avant. Ouais. Il y a toujours des produits, d'ailleurs, Leader Price, c'est bizarre parce que normalement, ça n'existe plus C'est Franprix, comme magasin. Et ça va, ils sont toujours encore pas chers, ils sont à 69 centimes, un truc comme ça. Du Coca-Cola, sans sucre, sans caféine. C'est un Carrefour City, il n'y a toujours pas. J'ai repris un litre de lait. Du lait. Du Lolo, du lait. Que je mets d'ailleurs au frigo. Ah, j'ai les doigts qui collent. Ça, c'est la grenadine, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Pourtant, j'ai vu qu'elle n'est pas éventrée, quoi que ce soit, mais ça a même dégouliné dans mon sac. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est la marque Simpli, Carrefour City. J'ai été obligé d'aller à Carrefour City pour chercher la grenadine, parce que à Carrefour City, à Carrefour City, à Franprix, j'avais complètement oublié. Et c'est en sortant du magasin, je dis mince, sirop de grenadine. Mais j'aurais mieux fallu aller à Aldi, parce que Cécile m'a dit qu'à Aldi, il est beaucoup moins cher. Il est 1,38 € et là, je l'ai payé 1,90 €. Donc voilà. Mais après, il est moins grand, il fait combien celui-là? Il est un peu plus grand, il fait 1 litre. Et Ah, tu l'autre, il pars, fait. regarde comment il fait celui-là là-bas. Il fait pas 1 litre. Il fait que 500 ml. 750 ml. Bon, il est un peu plus grand. Bah, il est plus, ah oui, largement plus grand. Bon, il y a ça, on va dire qu'il y a à peu près ça en plus, quoi. Bon. Celui-là, il dit, il est à 1,35 €. C'est déjà ça en plus. Sans compter ce qui est coulé dans le sac. Ça, donc voilà. Donc là, il n'a plus. Il en reste un peu au fond. Je sais. Non, tu dis il n'y en a plus. Il y a un peu de fait. Oui, il n'y en a plus. Pour moi, il n'y en a plus. Mais il suffit de mettre de l'eau dedans, il y en aura. Ah là là, Oh lui, là voilà. Je voulais pas l'acheter là là, ce bon coin là, au Vinted, parce que non, Vinted, non. Ah, pas vrai, ça. Pas Mais ouais, c'est possible, meuf. crabe. Fallait dire c'est crabe la meuf. Mec, il s'écrase. Bon, ça c'est fait. Ah, donc on va mettre de l'eau dedans. Ça c'est fait. Voilà. Oh, pile poil. J'aurais voulu recommencer, je suis sûr que j'aurais pas réussi. Voilà, comme ça j'ai fini la bouteille. Et pour les produits. Non, on l'a déjà. On a déjà une grenadine, donc ça va avoir 50 000 grenadines. Par contre, le lait, non. Le lait, j'ai pas. C'est rare que je me toujours du lait. Bon, bah, la vôtre, les enfants. Ça va, il y a assez. Il y a assez. Alors, les prix pour Mamie Muriel. Ça m'a redemandé. Michel. Michel. Pourquoi j'appelle Muriel? Oui, mais je crois qu'on a une Muriel aussi, je crois, un abonné. Mais Mais surtout, c'est peut-être une mamie aussi. Alors, pour Mamie Michel. Écoute bien, Mamie Michel, hein. Alors, le Coca-Cola zéro sans caféine, 1,95 €. Le cola, 1,05 €. C'est Franprix, hein. L'eau minérale plate, 65 centimes. Le lait demi-crémé, 99 centimes. Même à la rigueur, à 10, il est moins cher, il est à 95. Là, il y a 4 centimes de plus.
le Coca sans caféine. Les mentales, 1,30€ le petit paquet. Et les raviolis pour bof, 1,95€. Donc il y a eu 6 articles. 7,89€ j'en ai eu. Heureusement j'avais mis j'avais 8€ dans poche. 1,95€ la petite boîte de raviolis. Ouais. C'est abusé. Presque 2€ la boîte, alors c'est une petite en plus, c'est même pas une grosse. Une demi. C'est les boîtes demi. Non mais c'est abusé là. 1,95€, bah de toute façon les 4K il n'y en avait plus là. Et je crois que les 4K ils étaient à 2€ et quelques. Au bœuf. Même c'est abusé. T'as bœuf et puis t'as une autre sorte de ravioli là, je sais plus lesquels. Ouais mais j'en trouve plus les raviolis aux légumes. Je sais plus où c'est qu'il y en a. Si Franprix il y en a. Ben, j'en ai pas, il n'y en avait pas. Y en a, ben, j'étais à Franprix. Franprix y a là-bas, pas. Là. De l'autre. Là où il y a la pizza. La place Bernard. Oui. Et Leclerc, on en a aussi. Ben, oui, il y a un truc que j'arrive plus à trouver que tu avais ramené une fois, que c'est Radio de son. C'est bon ça. Ah, mais ça, j'ai. C'est Leclerc ou. Non, ou Belle Épine. C'était en collectivité quand tu me les avais. Tu sais, j'arrive jamais à trouver. Wally, Wallou. Non, voilà. Vous voyez, hein, c'est des petits, petites coucous bébés, mais vraiment bébés que de la boisson. Sinon, aujourd'hui, on a fait que dormir. Hein. Hier, je me suis levé, il était 14h30, aujourd'hui, midi 30. Ceci me dit, ouais, dors encore. Je me dis, non, je me lève, en plus, je commence à avoir un petit peu mal au crâne. J'ai dit, faut que je me lève. Sinon, je vais avoir une barre derrière la tête, donc c'est pas la peine. Une barre comme céréales au chocolat noisette derrière la tête. Donc, c'est pas la peine. Donc je me suis levé, j'ai bu mon petit café, j'ai le temps que je bois mon café, une petite branlette. Hey, les gros mots toi. Non, je rigole. Et j'ai mangé des moules farcies, avec des frites. Façon de machin à moule farci, c'est pas mieux. Hein. Non, je rigole. Non, j'ai regardé 2-3 vidéos. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Emeline de la chaîne Le Petit Quotidien. J'ai regardé Betty avec son colis. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Céline. J'ai regardé. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Yanis, sa deuxième vidéo des abonnés qui regardent. Oui, mais c'est pareil. Non, abonné youtubeur, il y a une différence. Oui, oh, je me comprends. Non. Quand je dis abonné, ils sont abonnés aussi sur sa chaîne. Oh là là, le jeu de mots. Ah, c'est comme toi tout à l'heure. Hein. Ah oui. Mec, on a marre. On est désespéré de la vie qu'on peut plus. Ouais. J'en peux plus de la vie. Je suis désorienté. Tu sais pas boire correctement? Fais gaffe, Huguette. Hein. Il a son âme, Huguette. Ah, qui j'ai regardé encore? C'est bizarre. Pourtant, j'ai une bonne mémoire photographique, hein, mais là, plus tu prends de l'âge, plus tu perds la notion du temps. Enfin, j'ai regardé plein de vidéos.
Bio, après la vieille s'est réveillée. Elle a foutu son bordel. Elle a foutu son bordel. J'ai renversé tout mon Pendant qu'elle café. fout son bordel, moi j'ai refait la litière à propre. Du fait qu'on n'a plus d'aspirateur, Ah elle a ouais, donné ça c'est pas, possible ça. un bon petit coup de balai. On va pas le faire Bah, le longtemps. problème c'est que c'est sur le. Quand on donne un coup de balai, c'est pas trop grave, C'est mais le tapis. c'est au niveau du tapis, quoi. Enfin, je vais aller voir Martine, je lui demande qu'elle prenne son aspirateur. Pour passer un bon coup d'aspirateur. Non mais pour l'instant je peux pas en prendre, je peux pas Oui, prendre bah, je vais un lui demander de temps en aspirateur. temps si elle peut me le prêter de temps en temps. Pour l'instant je peux pas permettre de prendre un Je peux aspirateur. pas faire autrement, je peux pas pour le tapis, je suis obligé de pas d'aspirer sur le tapis. Je sais qu'il y en a des pas chers, bon coin, machin, bidule, chouette, à la marche C'est arrière. Amazon, j'en ai vu, je t'ai dit qu'ils sont pas très chers. Amazon, ouais, 40 euros. Ouais, on va prendre sur Amazon. C'est Amazon, tu prends que le lendemain, c'est ça? Puis un petit peu plus folif, un petit peu plus sophistiqué que celui qu'on avait. Dieu et son âme, lui aussi. Ça y est, il est parti. Non, demain. On part au Cospedal. Il est parti au cimetière demain. Demain, bah oui, Il bah part au demain. cimetière. Parce que demain, les grosses poubelles, ils vont me les décortiquer dans le truc. Ouais, ils vont. En plus, on a gardé la. La. Ah oui, le truc. Bah, c'est un souvenir. Ça sera un souvenir de l'aspirateur. Ah, j'ai oublié de le retirer. Lui manque un membre. C'est pour ça qu'il est mort. J'ai pas compris son histoire, l'aspirateur. Ah ouais, on n'a rien compris. Il a très bien marché, puis on veut pour le remettre, plus rien. Je Pouf! le débranche, je le remets, je le rebranche, il marche plus. J'ai cru que c'était les prises et la prise, donc il est C'était son pané. dernier soupir. Ah si, c'est quand on a regardé les lives? C'est hier aujourd'hui? Non, c'est hier soir. On a regardé deux lives. Ah oui, Théo et puis Le live de Théo et le live de Rose. Rosler. Rose Lair. Là, ils sont loulous. Là, ils sont loulous. Là, ils sont chéris. Voilà. Voilà, après j'ai fait ma vaisselle. Si elle a fait. Elle a nettoyé la salle de bain, les chiottes, un coup de balai par terre, elle a fait la poussière. Et moi je devais faire ma cuisinière, bah, j'ai pas eu le courage. Ça va rester très bien comme ça. Tant qu'il n'y a pas de cafard dedans, tout va bien. Bon, elle est pas ça, mais voilà comment j'ai fait les recettes, ça a éclaboussé un petit peu partout. Comme tout le monde, hein, mais c'est vrai, il y en a qui le font tout de suite le soir même, et moi, j'ai la flemme. J'ai la flemme de le faire. Ben, moi, s'il n'y a vraiment pas beaucoup de tâches, que je fasse un petit coup vite fait, mais sinon, je ne le fais pas. Je peux pas me faire chier à faire ça. Sinon bébé, en ce moment, ça fait 3 jours qu'il dort avec nous, entre Cécile et moi. Mais quand je te dis, il s'allonge de tout son corps. Donc avec ses petites papattes derrière et vas-y que je te pousse d'un côté, je te pousse de l'autre. Il faut dire à ça, les parents, laissez-moi la place. Je m'installe. Puis il se lève en même temps que moi. Oh, en ce moment, je me lève tard. Or, d'habitude, des fois à 5h, 7h, je suis déjà debout. Mais là, c'est du fait peut-être que je travaille plus. Ouais. Que je travaille plus, bah là, puis il y a la fatigue qui retombe et tout.
Tiens. Donc bah voilà, on a mis la serpillière à tremper. Demain, je sais pas. Demain, je sais pas. Ah oui, je vous ai pas montré la petite carte de On a Delphine. reçu deux cartes. De Delphine. Il y a Delphine et Marie-Laure qu'on a reçues. Oui, celle de Marie-Laure, elle est où? Là-bas avec mon petit porte-clés d'ailleurs. J'ai complètement oublié de vous le présenter. En fait, t'as pas été du coup à la poste pour envoyer. Oh, j'ai encore. Bah non, j'ai laissé ma carte ici. Ah bah c'était fermé, t'as pas eu de personne. Fallait y aller ce matin. Non, mais le tabac, ils avaient ouvert, ils Oui, vendent mais hein, faut des mieux que tu timbres. la pèses parce que. Donc, une belle petite carte. Fait maison. Voilà, de Delphine. Une belle petite carte. Derrière. Comme ça. Comme ça. Non, Marie-Laure, il n'y a pas de carte, c'est juste un petit mot que nous a mis. Et comme ça. Bien sûr, je cache ce qu'elle m'a écrit, parce que c'est top secret. C'est top secret entre Delphine et moi. Ça arrive à personne. Voilà, une belle petite carte fait maison. Voilà. Toute cette maison, jolie petite carte. Très très jolie. Ouais, ça fait 3 jours qu'elle est sous le frigo et j'ai complètement oublié de vous la montrer. Bon, après, elle va aller avec ses copines. Ça faudrait que tu te fasses les rangées parce que. Ouais, ça commence à s'accumuler là. Et Marie-Laure, mais il n'y a pas de petite carte, j'avais mis juste un petit mot sur Ah, la et carte. Marie-Laure, c'est juste un petit mot avec un petit porte-clés qu'elle a fait. Petit hibou. C'est trop mimi. Voilà, un petit porte-clés. Ça, elle peut mettre soit sur son sac ou son porte-clés. Voilà, petit hibou. Voilà. Voilà. Wally Walou. Wally Walou. Donc, bah voilà. Donc, comme je vous dis, hein, moi ce soir, je vais finir mon riz avec le chili. Cécile, ravioli avec le gruyère. Avec une petite salade à côté. C'est comme ce soir, c'est le live. Donc, voilà quoi. Comme ça sera. Il n'y aura pas de bouffe à faire. Et demain, on verra. Demain, on verra. Peut-être pour une petite recette, je ne sais pas. Il faudra que je regarde les recettes que j'avais marquées, que j'avais fait la vidéo. Là, j'ai fait une Ah, vidéo Michel Dumas, là, il a fait une vidéo. avec plusieurs recettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si vous, si, me semble que vous l'avez vu. Michel Dumas, il a fait une vidéo là avec, comme il dit, l'été va arriver. Oui, avec Trois salades trois petites différentes. salades différentes. Et l'autre chef, les fines bouches, bah, il est je sais plus, à Montpellier, je sais plus où, au truc de Festival des Livres, Pour son livre. pour son livre. 15 euros son livre. Ouais. Sur le site. Je vais Non, pas peut-être. 15 euros. Je t'ai dit l'autre fois. Je ne sais plus, moi. Si, je crois. Je sais pas, tu vois si. Peut-être à 3 270. Quand j'aurai mes sous, un peu plus de sous, je vais lui prendre. Je vais lui prendre, puis je vais voir si vend le petit tablier, là, son tablier, là, violet, là. J'aime beaucoup, j'aime bien. S'il ne vend pas trop cher, je vais lui prendre le tablier aussi. Comme ça, quand l'autre, il sera sale, je le mettrai au sac, Ah comme ça, oui, il y en a un qui lui a demandé en commentaire. j'en aurai toujours un d'avance. Il lui a dit, Et ça est-ce que serait sympa. il me plaît bien votre Ouais, moi tablier? aussi, il me plaît bien. Je sais plus ce qu'il lui a répondu. Je crois pas qu'il le vend. Bah si, sur son truc là, il avait des tabliers. Ah Si, bah je peut-être crois, que il les vend, maintenant je ou crois, il les alors peut-être vend. alors. Oui, parce que c'est le nom de sa chaîne et fine bouche. C'est Parce qu'il y en marqué a un fine bouche. ouais, qui lui a demandé justement.
un abonné. Ah ouais, j'aime bien les gars. J'espère qu'il passera sur Paris, parce que comme il y a les festivals de livres aussi sur Paris, ça serait bien. Comme ça, si j'ai des sous, comme ça, je pourrais le voir en personne. Je pourrais le voir en personne, et puis lui. Même quitter, essayer de faire une photo avec lui, ça sera sympa. Non, le mieux, c'est que tu achètes le livre, et puis s'il fait un truc, tu le fais dédicacer. Oui, bon, oui, au pire, ouais. Tu fais dédicacer. Allez. Dire que je suis un fan de sa chaîne. Ouais. Ouais, bon, voilà. C'est une affaire de régler. Hein. Encore une journée de passer. Hein. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite la journée. Ceci là remet les trucs. Ceci là monte, hein, 1105. Ah monte, c'est bien. Ah monte en abonné. Elle va bientôt me rattraper, mais bon, elle a le temps encore. Hein. Les poules peuvent avoir des dents. Tu vas demain, tu vas devenir chacun. Et qui sait? Ça se trouve, ouais. Ça se trouve. Ça se trouve, le lendemain, je vais me réveiller, hop, elle va me dépasser, elle sera à 4000 ou 5000. Ah, et franchement, ça serait vidéo gag. Elle aura dépassé tout le monde en une nuit. Donc bah voilà, ouais, c'était une petite vidéo. Pour ça j'ai bien dormi, mais je suis cassé. Je suis encore fatigué. Il y a du fait aussi, il y a le temps, il y a la fatigue du travail, du fait au plus que je travaille plus, bah il y a tous les nerfs, tout ça qui redescend. Alors en ce moment ma tension elle est basse. Entre 13 entre 12 et 14 de tension. Donc, d'habitude je suis à 18 19 20 21, mais là depuis 2-3 jours je suis entre 12 et 14. Ça va, là ce matin, là tout à l'heure je l'ai pris 12 et j'avais pas pris mes cachets encore. Voilà. Cécile aussi, pas. Par contre, le niveau du cœur, oui, ça a fait toc toc au niveau du cœur. Ton cœur. Ah oui, bah, un petit peu vite, mais bon, ça va. Moi, j'avais 89 de battements de cœur. C'est pas non plus. Et 75 de pulsations. Non, mais là, ça va mieux. Je sais pas, souvent on réveille, moi ça me fait. Je sais pas pourquoi. Oh. Hier, on a regardé les trucs de masque, hein, l'émission Masque. Masque Singer. Masque Singer. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais ils étaient beaux, là. Ils sont beaux cette année. Mon préféré, c'est le chameau. C'est le chameau, comme ils sont à deux, donc c'est un couple. Alors nous on hésite avec les Portugais, le couple portugais qui sont sur TikTok, qui font toujours des conneries. Donc je penserai à eux. Ah, ça serait vidéo gag, ça serait eux. Nico, Nico et sa femme, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est lui, c'est Nico. Et sa femme, je sais plus. C'est un truc comme ça, Nico Decapone. Franchement, ce serait Bidoga, ce serait eux.
Ben, moi, je pense que c'est... Ouais, mais il y a les autres couples aussi qu'ils ont dit, là. Ouais, mais pas eux, ils ont dit qu'ils connaissaient aussi Kev. Et Kev, il a dit tout de suite, c'est eux. En plus, lui, là, bah si, c'est eux, parce que lui, il a fait le truc, il a lancé le machin et il s'est validé. Ah oui. Donc, oui, mais il a pas dit le... Non, mais lui, il a marqué ça. C'est son idée qu'il avait marqué au début, dès le début, qu'il a marqué. Mmh. Et lui aussi, il a dit c'était ça, il a validé. Il a mis une croix à l'indice. Ouais. Donc on verra bien. Donc prochain numéro c'est mardi. Non. Non, vendredi prochain. Ah c'est vendredi prochain, ouais, c'est tout, c'est tous les vendredis. C'est tous les vendredis. Oh. Oh, qu'est-ce qu'on peut être fatigué. Fatigué. Fatigué, pas le moral. Et ce temps là, bizarroïde là. Bon, ce matin j'ai mon rouleau de ficelle à viande là. Il est tombé tout seul, je sais pas comment il a fait, il est tombé tout seul par terre, même Blacko il a eu peur. Alors que bah normalement il est censé pas tomber. Mais là j'ai entendu un petit boum. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Je me retourne, je vois le fil. Le rouleau de fil par terre. Va comprendre. Va comprendre ça. Des fois il y a des trucs qui tombent. Bah, comme ma cuillère qui tombait toute seule aussi, pareil. Il y a plein de petits trucs comme ça que soit ça disparaît, soit bah, je sais pas. Il y a des trucs qui tombent tout seul. Alors qu'il aurait pu très bien tomber des milliers de fois, mais là, la façon qu'il était mis, qu'il était rangé, c'est impossible qu'il tombe. Ouais, il est tombé. Il est tombé tout seul. Voilà, il y a ça, puis c'est tout. Vas-y, j'étais à faire réchauffer le café, il y a plein de café partout. Ça a dégoulé en dessous, vas-y, laisse tomber. Ah, surtout quand tu refais le réchauffer du café, il faut faire hyper attention, faut rester à côté parce que ça va tellement vite. Le truc il bout d'un coup et voilà, ça déborde. Après, tu as du café partout. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, ça maintenant je fais hyper attention, quitte à rester à côté je m'en fous, mais au moins voilà, il faut pas laisser plus d'une minute parce que ça va tellement vite. Voilà, donc comme je disais, demain je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Bah je crois on va pas bouger hein. Pas le temps il fait, non, s'il faisait beau. Si je crois que demain il pleut pas. Pleut pas, non. Bah, j'avais envie d'aller à Père-Lachaise. Balader au cimetière, ou Père-Lachaise. Ouais, on n'a jamais été tous les deux. Moi j'avais été avec la mère de mes enfants, j'avais été avec Monique. On dit des gros mots sur la vidéo. Le truc il est parti dans mon jardin. Et il n'y a que avec Stéphanie, j'ai pas été. Ah non, même pas, j'ai même pas été avec la mère. Non, non, il n'y a que avec Monique j'ai été. Mais arrête de dire Monique, qu'est-ce que mais c'est son prénom, moi, tu me dis ça. À chaque fois, c'est plus fort que moi. Moi, je suis allé quand même. Stéphanie, j'ai pas été. Et la mère de mes enfants, j'ai pas été aussi. Moi, je suis allé quand je travaillais en face. Mais j'ai été plusieurs fois tout seul. C'est moi, je travaillais en face. Donc, je suis allé déjà avec. À la pause, on avait été avec des collègues. Mais bon, le problème, c'est qu'à la pause, on n'a pas une pause non plus de 3 heures. Donc, on a été fait un petit peu. Ouais, mais le Père Lachaise, il faut le faire en deux fois.
Ouais, parce que c'est tellement grand. Voilà, faut partir le matin. C'est le matin et faire toute la journée. Pour ceux qui habitent dans les environs de Paris. C'est le boulevard Ménilmontant, Père-Lachaise. Ouais. Oui, il faut descendre à Père-Lachaise. T'as la station Père-Lachaise ou boulevard Ménilmontant? Bah moi je descends toujours à Père-Lachaise. Ouais, mais moi le cimetière, quand tu sors, le cimetière est juste là. Moi quand je travaillais, je descendais au boulevard Ménilmontant et t'as. Je travaillais là. À la sortie où tu sors, t'as le café qui fait l'angle. T'as une petite ruelle qui remonte jusqu'à je sais pas où là. Ah oui, mais non, mais toi tu vas loin toi. Tu descends. Eh ben c'est là. Non, non, tu descends à boulevard Ménilmontant. Mais non, c'est à côté, t'as juste à traverser le Père-Lachaise et juste en face. Je descends à boulevard Ménilmontant, je travaillais en face et l'entrée elle est là. Bah, c'est encore plus moins loin. Ça arrive au même. Il y a deux entrées en France. Et après, t'as la rue de la Roquette. Parce que t'as une entrée, t'as une sortie. T'as la grande rue de la Roquette qui descend là et là, il y a plein de magasins. Juste en face de l'entrée du Père Lachaise. Il y a plein d'acteurs, il y a plein de chanteurs qui sont. Je sais, quand je travaillais là-bas, j'ai travaillé 3 ans là-bas et j'ai vu des. Qui sont là-bas? J'en ai vu passer, hein, parce qu'ils ont fait le truc du jeune qui était atteint du sida, là, qui est décédé, là, je sais plus comment il s'appelait. Il y a même eu le truc des deux femmes. Qui était voilée de l'islam, qui s'était fait tuer, ils étaient passés. Ouais. S'il y a eu, je sais plus qui, aussi comme acteur ou chanteur. Bah, acteurs et chanteurs qui sont non, là-bas. Moi, j'ai vu, on les entend. Nous, on les voyait passer devant la rue. Enfin, ceux qui bloquaient la je rue. Je sais qu'Edith Piaf allait là-bas. Il y en a plein là-bas. Claude François, je sais pas s'il est là. Claude François, il est là, celui de. Ah non, il est pas là. Non mais il y a que pas mal d'acteurs, chanteurs, comédiens qu'on connaît bien qui sont. Je crois que Dalida est là-bas. Dalida, oui. Je sais plus. Mais Edith Piaf, oui, je suis sûr qu'elle est. Edith Piaf, elle est là-bas comme elle était de Paris. Il y en a des plus récents qui sont là. Ouais. Je sais me dire par la chaise, c'est pas pareil, c'est un truc monument. Après, c'est un truc monument historique et puis tu peux te balader quoi. Après, il faut voir si les stations. Balader, c'est pas comme les cimetières comme on a à côté, c'est pas pareil. Les stations sont ouvertes aussi parce qu'avec la grève là, il y a des stations qui sont fermées. C'est pas pareil. C'est par la chaise, c'est très très connu. Il y a énormément de visites que tu peux visiter. Après voilà, il faut respecter, c'est tout quoi. On verra bien. On verra bien demain. S'il fera jour. Bon, il est quelle heure? 8h30. Moi, je vais commencer à préparer pour mon live. J'avais dit entre 8h30 et 9h, 21h. Donc, je vais tout préparer. Manger, c'est pas la peine. Tout est prêt. C'est qui ça? Ah, François. Ah, d'accord. Bon, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo de vraiment de mini course et puis de petit blabla du quotidien, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et nous on se dit bonne soirée, bon week-end, bon dimanche. Si je fais pas de vidéo dimanche. Et puis on vous fait de gros gros bisous. Allez. Ciao ciao les loulous, bisous à tous.